Yo les gens, on est en live sur Forza Motorsport, on va découvrir les nouvelles courses en vedette de la semaine. Donc je rappelle, en vedette, on a un nouveau championnat en fait, toutes les semaines globalement. Qui s'ajoute au mode carrière. Mode carrière dans lequel on n'a pas vraiment avancé encore. On a fini le premier tour complet. Deuxième tour, on a fait le premier truc. Il nous en reste, voilà, il nous en reste quelques-unes. Hein. Il nous en reste quand même quelques-unes, ça va qu'il n'y en a pas, il y en a pas 50 000. Mais on va avancer dans les prochains jours. Ce soir, on va faire le en vedette. Et après, on switchera de jeu. On partira sur Spider-Man. On va pas faire un très long live sur Forza Motorsport. Bon, on espère qu'on va pas trop galérer sur les courses. Voilà, on est sur les voitures d'exception sur circuit. Et puis, on est parti. Hein. J'ai bien sûr acheté déjà la voiture, normalement. Si tout va bien. Aucune place au compromis. C'est l'attitude agressive que reflètent ces bolides sur mesure, conçus exclusivement pour les circuits. Les pilotes doivent appréhender le potentiel sauvage de ces machines afin de repousser les limites de performance tout en gardant un contrôle absolu. Il y a de la Brabham, de Ferrari et l'autre c'est Aston Martin, je crois. Là c'était la Vulcan. Bien sûr, j'ai acheté la Ferrari. On va pouvoir partir avec la Ferrari. Brabham, Ferrari. McLaren. On va partir avec la Ferrari FXXK. Qui est ici. J'ai pris en blanche. Blanche et rouge, j'aime bien. Hop, difficulté 3, très bien. Hop, Nürburgring Sprint. On est sur le Nürburgring Sprint. J'ai pas vu combien il y avait de tours. On va bien sûr zapper les essais comme d'hab. En espérant que la voiture soit pas trop dure à piloter et que les IA font pas n'importe quoi aussi, ça serait bien. Ça c'est pas gagné. Pas du tout ça que je voulais faire. Baisser un peu le son parce que les voitures c'est un peu plus fort que le son du menu. Et puis let's go hein. Let's go pour ce championnat. Tranquillou. On roule pas beaucoup sur Forza Motorsport, c'est vrai, mais... Carburant et pneus. Là je peux mettre les tendres. On a combien? On a 5 tours à faire. Hop, c'est parti, on part 12ème, ça va aller très bien. En vrai, non, je peux partir 15. Allez, 15. Nürburgring Sprint, donc. Pas qu'on se trompe de tracé. Hein. Le début de course c'est un peu compliqué. Putain, le pace dégale, hein. Pourquoi il freine? Putain, mais c'est pas vrai! Pourquoi il freine dans ce putain de virage, quoi? Vas-y, m'a niqué ma caisse! Hein. Chier, putain!
casse les couilles en fait. Les IA me saoulent, hein. C'est horrible. Insupportable. Vraiment, les gens qui disent que les IA sont bonnes sur ce jeu, ils jouent pas au même jeu. Oh, je prends 4 secondes de pena. Mais les IA, j'en peux plus, s'il vous plaît. Faites un effort, en fait. Insupportable, à un moment, quoi. Putain, on va pas faire que ça toute la soirée, de recommencer la course, hein. Je pense qu'on en aura marre, hein. Putain. Putain, mais c'est pas vrai! J'en ai marre. Oh, je vais pas y arriver ce soir. Faut que je me focus parce que sinon on va y mettre 3 heures. Vraiment, j'ai pas envie de passer 3 heures à faire ça. La voiture me saoule déjà. Donc. Et les IA me saoulent, hein. Vraiment, elles font n'importe quoi. Il y a certains virages que les IA prennent à 2 à l'heure, je comprends pas. Hein. Genre ici il freine, je sais pas pourquoi. On va m'expliquer. Putain, c'est pareil, hein. J'ai perdu tellement de temps sur le premier virage, premier tour.
Allez, let's go. Ouais, il faut remonter. La voiture, une fois que tu la comprends, en vrai, elle est pas mal. Juste, j'aimerais bien que les IA arrêtent de faire n'importe quoi, en fait. Ah, je me suis totalement raté. Ça arrive. Allez, dernier tour.
Allez, let's go. On aura galéré quand même parce que les IA font un peu nimp. Hein. Super course. Un peu relou quoi. On gagne que 10 000 balles par course. Un peu galère pour de la thune, hein. C'est un peu galère pour rendre la thune quand même. Connais. La piste à Kone est large, plate et clément. La question c'est est-ce qu'il pleut vraiment? J'ai vu que ça pleuvait un peu, mais est-ce que ça pleut vraiment? Ça a l'air vraiment pleuvoir. On va essayer de partir 15 pour essayer de gagner plus de thunes, ça serait bien. Si les IA arrêtaient de faire n'importe quoi, on pourrait partir plus loin quoi. Le circuit il est très courant parce que quand t'es un t'es rapide comme ça il est pas long. C'est un circuit très rapide. Let's go.
Allez. Ah, ça déroule, hein. Trois tours restants. Depuis, attention. Enfin, attention parce que je suis en pneu tendre. J'appuie. J'espère que ça va pas s'intensifier. Ça glisse. Allez, let's go, on va pouvoir finir normalement avant que ce soit bien mouillé. On va finir avant que ce soit totalement détrempé. Ça commence à être touchy, hein. C'est temps d'axe la fin parce que ça commence à être bien mouillé quoi. Beau travail. Nous avons... J'ai même pas vu c'était quoi la course. Grande Hawk. On s'inverse. Sur les essais, on zappe comme d'hab. Carburant et pneus 7 tours.
Oh, je me suis fait défoncer par l'arrière. La photo sur une prochaine course. Je l'ai fait nuit, on va pas avoir grand chose. La photo va pas être belle. Allez, let's go. Une fois que tu comprends à peu près comment fonctionne le jeu, la physique et tout, ça va quoi. Au début, je m'en plaignais un peu parce que j'arrivais pas trop et c'est le fait de débuter, mais une fois que t'as à peu près compris. La tonne de virages en aveugle sur ce circuit quand même. Plus que 3 tours.
Bon, ça va, c'est pas très très dur. Hein. Parce que vu comment je me suis planté au début et comment je suis remonté. On a la difficulté des IA qui est pas très très élevée quand même. Mais j'ai pas envie de mettre plus parce que j'ai pas envie de me faire chier. Allez, dernier tour. Dernier tour, allez. Je vais voir à quel point elle bouffe les bonus, cette voiture. Pas vraiment, hein. 13% en 7 tours. Le dernier virage tout en drift, hein. C'est pas super efficace. C'était pas mal. Je crois qu'on est déjà à la dernière. Hein. Ah bon, 4 sur 5. Mais il peut le valer. Passé sous le pont, tu monteras vers l'élévateur bend à droite qui, à mi-parcours, devient une... Prendre la photo. Il n'y a que vous qui saurez qu'elle a été faite... Y'a que les gens qui regarderont la vidéo qui sauront qu'elle a été faite aux essais. Non, quitte les essais, pas paramètres, putain. Deux fois que je me fais là, que je me fais avoir. Ah putain, mais non, pas redémarrer. Passer les essais.
Hop, on va essayer de démarrer 15ème si on peut. Aïe aïe aïe. Ah, faut pas que je refasse la même erreur que ton d'avant. Allez, let's go.
tu peux le faire. J'aime bien ce circuit parce qu'en vrai il est pas si dur. Hein. Il paraît chaud mais il est pas si dur. Let's go. Ah, vu comment je m'étais planté au début de la course, je peux te dire que c'est pas mal. Parce qu'on est parti de loin quand même du coup. Indianapolis, pas mal. Je crois que c'est la dernière, s'il y en a que 5 c'est la dernière. Là, je vous avoue que je suis hype, on va aller sur Spider-Man un peu. Je suis un peu chaud. C'est pour ça qu'on va faire un petit peu plus court sur Forza Horizon ce soir. Ouais, juste faire le truc en vedette. Je voulais continuer la carrière, mais en vrai, ça peut attendre un peu. C'est moins important. C'est un peu moins important. Ça peut quand même attendre. Je vais me mettre en pneus soft évidemment. Allez hop, on va repartir 15. On pourrait presque partir dernier, je suis sûr. Indianapolis, le premier virage, ça faisait chaud. Je me suis fait mettre dehors. J'étais bien passé pourtant, mais merde, j'ai mis 12. J'étais bien passé, mais putain, je me suis fait mettre dehors à la réaccélération. Ah, j'ai trop de dégâts, la voiture elle tombe plus.
Pourquoi il a pilé devant moi, cet imbécile? S'il vous plaît, quoi. Pourquoi le mec il pile devant moi en fait? Je peux pas l'éviter. Hein. Impossible. Je me fais écarter à l'extérieur, tout va bien. Je me fais tamponner, tout va bien. J'ai encore niqué ma caisse, mais c'est pas possible, hein. Les IA font n'importe quoi. C'est infernal. Ah, c'est pas compliqué Indianapolis, hein, mais vraiment je comprends pas pourquoi les IA pilotent n'importe comment. Je pense que ce sera compliqué d'aller chercher les deux premiers. Hein. Avec la voiture dans l'état actuel. Ça va être assez dur. Mais... Je pense que c'est ce virage-là le plus chiant d'Indianapolis. C'est le dernier.
je prends pas de risque. Hein. Je pense que je pourrais attaquer un peu plus sur certains ennuis, certains vibreurs et tout. Mais... Le but c'est pas de se foutre dehors non plus. Avec la voiture cassée en plus. Nickel. Beau travail. La voiture a plus cher, mais est nickel quand même. Bon ben ça c'est validé. Les gens n'en parlent plus. Voiture d'exception sur circuit validée. La prochaine ce sera puissance du prototype. Et puis let's go. On va se quitter là-dessus pour cette semaine, enfin, en tout cas pour ce soir sur Forza Motorsport. On va faire une toute petite pause de 2-3 minutes, le temps de switcher de console, que j'aille faire un petit pips. Et on part sur Spider-Man 2, sur la PS5. Merci à tous, en tout cas on se retrouve très prochainement sur Forza Motorsport pour de nouvelles aventures en carrière. Et puis voilà, allez à plus les gens.